c'est parti. Une voix sensuelle, un physique de rêve. Elle les fait tous craquer. C'est Pamela sur Skyrock. Alors, Pamela, bonsoir, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va, ça va. Alors, Pamela, je te présente, on a dragué hein, depuis une petite heure sur les réseaux. Et en une heure, putain, on a récupéré un paquet de monde. Ouh là là. On va essayer de les joindre là maintenant et il va falloir les séduire avant la fin de la radio libre, le plus vite possible. Ouh là là, alors là, on a... Alors lui, il a une bite courte, mais il a un gland énorme. Et il a un gland champignon. En forme de raie du cul. Regarde, t'as vu le gland qu'il a, c'est un truc de ouf. Ah mais on dirait une paire de fesses, ouais. Ouais, en fait, il a un cul greffé au bout de la bite. Regarde, Cédric. Ah, horrible. Voilà. Cédric, on t'a pas demandé de lécher les feuilles. Oui. Ah, et j'ai une deuxième photo de Johnny, c'est Johnny avec le gland machin. Dans une autre. Ouais, t'as deux photos lui. Ouais. Ah, putain, il a sous un autre ongle. Il a un poil sur son canapé, le mec est ignoble. Hey, voilà. Le mec est à poil sur son canapé, il a une bite un peu tordue, mais très courte. Mais tendue courte et un gland énorme. Regarde Cédric. Ce bon Johnny quoi. Tiens Guigui, regarde. Ah ouais, 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 putain, magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ah, t'as vu un peu hein. Ça fait rêver. C'est Samy qui assiste à. Ah ouais, c'est des. Qui est l'arrivage des bites avant tout le monde. Je regarde les gueules de Samy en général. Ah, ouais, ça c'est. Je sais qu'on a du bon niveau. Aujourd'hui, c'est très fourni en bites. Ouais, alors lui. Il n'y a peut-être que deux visages, tu vois. Alors lui, il a caché sa bite avec un petit produit de. Ah, t'as vu, genre. De la salle de bain. Un flacon, en fait, devant le miroir qui cache sa bite. Regarde Romano, il s'appelle. Une tête normale d'ailleurs, comment il s'appelle? Sexhotel. Ouais. Regarde, Sexhotel, 40 ans. 40 ans, ouais. Ouais. Il est fait pas ses 40 ans. Non, ouais, t'as vu, il fait plus jeune, là, c'est ça va lui. En fait. Ouais. Tu le veux lui, Pamela? Bah, je vous les veux tous. Sexhotel. Tous en même temps, ouais. Ils ont les têtes normales. Après, on a Marc. Alors, Marc, lui, est assez étonnant parce que le mec envoie sa tête. C'est un erreur qui nous envoie pas sa bite non. Pour une fois. Non, non, bizarre. Donc là, c'est Marc. Après, on a. Book Lover, beau gosse, petite chemise, okay, un peu trop serré au niveau du bide parce qu'on voit que ça tire un petit peu quand même. Ça pousse un peu, ouais. Ça pousse un peu. Mm-hmm. Il s'appelle donc Book Lover. Book Lover, Ryan Romano, beau gosse. Mmh. Ah, c'est moins pire lui. Ouais, franchement lui. Lui, ça va aussi. Ouais, non, l'autre dans sa salle de bain. Ah, mais Book Lover, il est beau gosse quand même, Book Lover, je trouve. Ah, si Book Lover est joignable pour Romano. Ouais, mais ça. Voilà, l'appelle avec ta voix. Ouais, mais dire ce que je comptais faire. Salut Book Lover, je suis Romano de Skyrock. On peut pas viser ensemble. On se voit ce week-end. J'ai grave kiffé. Alors là. Attends, le mec, on l'a pas eu en ligne. Tiens, parce que là, sous ses airs, bon chic, bon genre. Là, j'ai Dream aussi, qui porte bien son nom. Parce que ça, c'est. LOL, on n'a pas le visage. Non, lui, il y a que la tub. Il y a que la bite, qui est très, 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 très fine. Très vilaine. Et un gros gland. C'est vrai qu'il est très très laide, cette table. Je sais pas, mais le gland, il est mal positionné, tu sais. Oui, c'est bancal, en fait. C'est tout ça, le bordel, son truc. C'est comme un gland, tu veux le mettre droit sur un tube, mais il est décalé, en vrai. Ouais, il y a un petit décalage, ouais. Il est décalé. Après, on a Eric. Alors lui, on voit pas la tête, on voit pas la bite, on le voit juste en caleçon. Ouais. Et après, alors là, j'ai. Attends, on dirait Samy, le corps. Toumkel. Non, le mec, ça va, il est plutôt bien gaulé. C'est toi? Ah, je suis mieux que lui, gros. Non, mais ça va, le mec, il est gaulé. Non, ça va, lui, ça va, ouais, il est normal. En plus. Et alors, lui, c'est terrible parce que, il nous a mis la photo de sa main qui tient sa bite. Le problème, c'est que le pouce est aussi gros que sa bite. Il s'appelle Toum, 40 ans. Ah, mais on n'en avait pas déjà eu un, mec, comme ça. Non, mais d'ailleurs, t'as vu, le pouce est aussi gros que sa bite. Non, mais, ouais, mais là, il bande quasiment pas, le mec. Ah, si, je pense qu'il bande, hein. Je crois qu'il a. Le gland, il est serré. Ah, ouais, je pense qu'il bande, regarde, le gland est serré, là. Ah, c'est dégueulasse. Ah ouais, ça, ça en même temps, tu choisis pas ta bite. Non, hein. Mais vas-y, fais pas un gros plan comme ça, c'est écrit. Ah ouais, mais je suis dégoûté, moi. Ah ouais, mais montre pas tes doigts. Ah ouais, non, c'est écrit. Tu prends la photo comme ça de. Ah, il est dégoûté. Voilà. Bon, et on a fait le tour. Je te propose Johnny en premier. Non, on n'a pas fait le tour, j'avais pas vu Corta. Corta, 53 ans. Eh ben, dis donc, il est en forme, Corta. Ah ouais, il bande bien fort, lui. Oh là là. Ah ouais. Oh, si, bon, alors Johnny, Pamela. Johnny. Je vais t'envoyer les deux premières photos que t'as regardées. C'est le beau gosse. Allez, vas-y, Johnny. Pas vraiment le beau gosse. Non, c'est pas le beau gosse, c'est Johnny. Oui, allô. Oui, allô, Johnny. Ah. Oui. Oui, bonjour, c'est Pamela, l'appareil. Tu vas bien? Ça va, et toi? T'es en forme comme sur les photos? Ouais, ouais. Ah, j'ai envie de me caresser là avant d'aller me coucher. Mmh. Ah, j'ai une dure journée, j'aimerais bien me faire. Faire l'amour, quoi. Ah, ouais. Imagine que je suis entre tes cuisses là. Ouais, n'hésite pas, hein, sois hard. Ouais, j'ai envie de te baiser bien fort. Ah oui, tu commences à être hard là, c'est bon ça. Alors, tu me ferais quoi si j'étais là? Ah, je te défonce la chatte. Ah, hein.
Mais direct comme ça, sans la réveiller. Oh si, tu vas pas te passer des bons coups de langue sur ta chatte là. Ouais. Puis après, je te la mettais de beau dans la chatte. Mmh. Je te la fiste bien. Ah, vas-y. Puis après, je te mets des gros coups de cul dans la chatte. Elle est bien dure. Elle est bien dure là, ta queue. Ah ouais, oui. Vas-y, tape-la sur le téléphone pour voir. Ah bah oui, elle est très dure. Ouais. Ah, j'ai envie que tu me prennes en levrette. Ah oui, avec grand plaisir. Ah, vas-y, j'écarte bien les fesses si tu peux bien y aller fort. Ah oui, je vois ton cul bien ouvert. Ouais, il est là, il est ouvert, il t'attend peut-être. Ah oui, je te le mets dans le cul direct. Ah, tu m'encules. Vas-y. Je te défonce le cul. Ah, vas-y, branle-toi fort, j'ai envie de t'entendre jouir, te retiens pas. Ah oh, ouais. Ah ouais, je te baisse bien comme une grosse chienne. Ah, ça me fait du bien. Oh putain, ouais, je te défonce le cul et la chatte. Ah, vas-y, tire-moi les cheveux. Ah oui. Ah. Putain, ouais, tu mouilles bien fort. Ah oui. Je mouille de la chatte et je muque du cul. Ah oui, je vois ça. Tu vois. Allez, vas-y. J'ai envie de tu me craches dessus, là. Ah oui. Vas-y. Je te crache la gueule. Ah, c'est bon. Ah, je te défonce. Ah oui. Ah, je te crache tout visage. Ah, c'était bon. Oh oui. C'était bon, John. Ouais. Ah, t'as beaucoup giclé, Johnny. Ah ouais. Tu es fan de Johnny Hallyday? Non, c'était mes parents. Ah, d'accord, ok. Rock and roll. Viva Paloula. Eh ben écoute, je t'embrasse. Tu t'as giclé où? Ah, j'ai giclé sur mon ventre. Tu veux pas étaler et te lécher les mains? Ah non, ça j'aime pas ça. Voilà. Et te mettre un doigt dans le cul et te lécher? Non plus. Faire pipi dans un verre et le boire? Non plus, non plus. Une de couper, faire caca dedans et manger? Non, c'est des Ah bah écoute, à bientôt j'espère. À bientôt. Bisous, oui. bisous. Le mec, tu l'as dégoûté. Jamais. Ah il a regretté. Jamais il fera ça. Le mec était heureux, il était là. J'ai dépensé partout. Et derrière. Mais là, c'est le choc. C'est le choc. Eh ben écoute, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. On garde les autres pour les semaines, la semaine suivante. Ah bon, on les met de côté, oui. Ah ben, très bien. Cédric, tu ramèneras les photos par contre. Ah, tu les ramènes. Bah, grave. Non, parce que la dernière fois, on te les a donné, les photos. Ouais, puis. À la fois, je vais aller chercher chez Romano. Ouais. On a appris que cette servait de papier peint dans ta chambre. Grave. On ne vole pas le matériel de la radio libre. Hein, s'il te plaît, ouais. Bon, on a bien rigolé ce soir, on a passé une belle soirée, merci à vous. Ah, on a pas fait...